Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui parle de passer à l'action. En effet, vous savez, Napoléon Hill a fait un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Moi aussi, un jour, j'aimerais écrire un livre et mon livre va s'appeler Agissez et devenez riche. Et pourquoi? Parce que, en fin de compte, je me suis rendu compte que en fait, dans le monde, ce n'est pas les gens les plus intelligents qui deviennent riches, c'est les gens qui passent à l'action. En effet, vous avez tous des exemples, je pense autour de vous, de personnes extrêmement intelligentes et qui sont pas riches pour autant. Je vais vous donner un exemple concret dans la ville d'où je viens au Portugal. En fait, l'homme le plus riche de la ville, c'est un analphabète. Donc c'est quelqu'un, il sait ni lire ni écrire. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que en fait, des fois, notre intelligence joue contre nous. En effet, souvent, quand on veut se lancer dans un projet, notamment entrepreneurial. Ça peut être aussi valable pour les investissements. On a tendance à trop réfléchir et à réfléchir à tous les risques. Et d'un point de vue logique et rationnel, en fait, si vous réfléchissez beaucoup, au final, vous allez rien faire du tout parce qu'il y a trop de risques. En fait, généralement, quand vous lancez une affaire, il y a plus de risques que l'affaire ne marche pas qu'elle marche. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les gens trop intelligents ont tendance à ne pas passer à l'action, alors que des fois, des personnes moins intelligentes, elles vont passer à l'action, elles vont pas réfléchir, vont pas se casser la tête, elles se lancent, et c'est ça qui les mène souvent vers le succès. Parce qu'en fait, c'est comme aussi pour acheter un appartement ou une maison. Si vous pensez à, vous mettez à penser à tous les risques qu'il y a, si j'arrive pas à tout rembourser, si je perds mon travail, vous voyez, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de contraintes que potentiellement, voilà, ça peut vous mener à l'échec, à la faillite, enfin, vous voyez, à vous mettre simplement dans la merde, pour parler un peu vulgairement, ben, en fait, vous n'allez pas passer à l'action. Vous voyez, quelqu'un qui se casse moins la tête, il y va, quoi. Et donc, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous inciter donc à passer à l'action. Et il faut que vous vous disiez une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. En fait, voyez les choses comme ça, c'est-à-dire, je me lance, je tente, je me lance dans les investissements, je tente en fait de lancer mon affaire. Et puis, si ça marche, génial. Si ça marche pas, vous aurez appris quelque chose. Alors que si vous restez en fait inactif, que vous vous lancez pas, en fait, vous allez toujours avoir déjà des regrets de ne pas avoir pris le risque. Et puis aussi, vous ne saurez jamais si votre affaire, elle allait marcher ou pas. Donc le seul moyen de tester en fait le marché, de tester si une affaire peut fonctionner, eh ben, c'est de la lancer. Et si ça ne marche pas, au moins ça fait déjà une option que vous pourrez cocher. Vous savez que voilà, ça n'a pas marché. Je passe au prochain projet. Et vous allez petit à petit comme ça éliminer les projets qui ne marchent pas jusqu'à ce que vous trouviez l'idée qui vous rendra riche. Mais vous voyez, c'est vraiment une question d'action et pas de réflexion. Parce qu'en fait, on peut réfléchir toute une vie, ça ne va pas nous rendre riche. Par contre, le fait d'essayer des choses, de se lancer, bah, c'est ça qui vous mènera vers le succès. Donc en fait, il faut moins de réflexion et plus d'action. Arrêtez de vous casser la tête à trouver l'idée parfaite, l'idée de génie. Non, dès que vous avez une idée, testez-la. Si ça marche, bah voilà, ce sera jackpot. Et si ça marche pas, tant pis, prochaine idée et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui fonctionne pour vous, qui vous convienne, en adéquation avec vos compétences et ce que vous aimez faire. Alors, il y a aussi la question de saisir les opportunités. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Quelqu'un qui réfléchit trop, il va jamais saisir en fait les opportunités qui apparaissent devant lui. Et on a tous les jours des opportunités qui passent en fait souvent sous notre nez. Mais en fait, on réfléchit tellement que souvent on passe pas à l'action parce qu'on attend le moment parfait pour passer à l'action. Alors qu'en réalité, le moment parfait pour passer à l'action, c'est maintenant. C'est toujours maintenant le moment parfait. Parce qu'en fin de compte, on peut passer toute une vie en attente du moment parfait
ou du sauveur, de la personne qui va venir vous sauver. Mais en réalité, le sauveur, c'est vous. Il n'y a que vous-même qui pourrez vous sauver. Et c'est en passant à l'action. Et pour vous donner un petit exemple sur cette question de saisir les opportunités, je pense que ça vous est déjà tous arrivé en boîte de nuit. Okay, on va faire un exemple un peu trivial. Vous êtes en boîte de nuit, vous voyez une femme magnifique, vous avez envie d'aller l'aborder et vous êtes là dans vos têtes en train de vous faire le plan parfait pour aller l'aborder. Vous êtes là en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais dire pour pas passer pour un con, etc. Et vous êtes là, vous réfléchissez, vous attendez le moment opportun, qu'elle soit un peu éloignée de ses amis, etc. Et là, il y a le mec bourré qui arrive, le gars il est 4 fois plus moche que vous, totalement maladroit, il arrive, il raconte n'importe quoi et il embarque la femme. Et là, vous êtes dégoûté de la vie, mais je pense que c'est un exemple parfait pour montrer voilà, que passer à l'action, il n'y a que ça qui peut payer au final. Quoi. Quelqu'un qui va rester toute la nuit à faire le plan parfait pour aborder et qui ne va pas, bah, c'est sûr, il aura 0 résultat. Le mec, même maladroit, qui se lance, bah ça peut marcher, comme on dit, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Et je vais vous donner un autre exemple un peu plus sérieux. Bah, en fait, non, j'en ai déjà parlé, c'était voilà, cet homme, l'homme le plus riche de ma ville, donc qui était quelqu'un d'analphabète, et lui aussi, il n'a pas pensé au risque, il s'est lancé, et il a fait une entreprise de construction, et aujourd'hui, il possède pratiquement la moitié de la ville qu'il a lui-même d'ailleurs construite. Donc vous voyez, il faut vraiment se lancer à l'action. Et puis voilà, comme je l'ai dit avant, en fait, partez du principe, ça c'est un petit truc que je vous donne, partez du principe, comme pour l'exemple de la drague, en fait que l'échec est certain. Okay, vous vous dites, l'échec c'est certain, je me lance, l'échec il est certain. Mais la réussite c'est une possibilité. Donc en fait si vous partez du principe que vous allez vous lancer et que très probablement vous allez avoir un échec, bah, vous arrêtez de vous mettre la pression, de dire ah, faut que ça marche absolument. Non, vous en fichez, lancez-vous. Et puis voilà, il y a toujours une possibilité que ça marche. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important que vous passiez à l'action. Parce que sans passer à l'action, bah, l'échec, là, il est garanti. Parce que si on n'essaie pas, bah, on ne peut pas y arriver. Quoi. Donc je vais finir cette vidéo par une jolie phrase, une jolie presque expression. Alors je vais vous la dire d'abord en portugais et après je vous ferai la traduction. C'est une phrase que m'a dit ma mère un jour. En fait, j'allais sortir de la maison, donc c'était le soir, et je dis, écoute, maman, je vais sortir. Et elle me fait, meu filho, vai à vida que morte é certa. En fait, ça veut dire, mon fils, va à ta vie, car ta mort est certaine. Et je trouve ça magnifique, vous voyez, c'est l'exemple même de tout ce qu'on est en train de dire, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. En réalité, vivre est un risque, déjà, en soi. Vous pouvez mourir en traversant la route, vous pouvez attraper une maladie demain, donc il faut vivre, il faut aller à la vie. Et alors que vous voyez que normalement les parents, quand quelqu'un, vous voyez leur fils il sort, fais attention mon fils, etc. Ma mère elle m'a dit non, va à ta vie car ta mort est certaine. C'est une façon de dire profite de ta vie et profite des opportunités aussi, mais lance-toi, ouais, au contraire de ces discours de peur en fait quoi. Et je trouve cette phrase magnifique. Et voilà, c'est une phrase pour vous inciter à passer à l'action. Oui, la vie est risquée, il y a toujours des risques. Il y a aussi une autre phrase qui dit « vivre, c'est prendre le risque ». Enfin, qu'en fait, quand on vit, forcément, on va mourir. Donc, on sait déjà que c'est une histoire qui va mal se terminer. Vous voyez, c'est une histoire qui se finit mal. Mais faisons en sorte que le voyage soit le plus magnifique possible, le plus merveilleux possible. Et on n'a qu'une vie et c'est dommage vraiment de passer à côté de sa vie, de ne pas tout essayer. Moi, je pense que l'important dans la vie, ce n'est pas d'atteindre ses objectifs, c'est de mourir sans regret. Parce que quelqu'un qui meurt en fait sans regret, bah, il se dira, bah, voilà, ok, j'ai pas eu de chance, mais j'ai tout fait pour y arriver. Et c'est juste la fortune qui n'était pas de mon côté. Par contre, quelqu'un qui n'essaie pas, au jour de sa mort, en fait, il aura plein de regrets. Il se dira, et on sait que ça arrive vraiment, quoi. Il se dira, mais purée, j'aurais dû essayer ci, j'aurais dû essayer ça. Donc voilà, n'attendez pas d'être vieux pour vieux et plein de regrets. Au contraire, lancez-vous. Et si ça marche, ça ne marche pas. À la limite, ce n'est pas important. L'important, c'est d'avoir essayé.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous incitera à passer à l'action. C'est vraiment ce que je vous recommande. Et puis on s'en fout, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins on aura le mérite d'avoir essayé. Ok? Donc je vous dis à très bientôt, le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt les amis.